Mes paroles ne font-elles pas du bien à celui qui marche avec droiture ? Le passage biblique de Michée chapitre 2 verset 7 soulève une question profonde et essentielle pour tous ceux qui cherchent à suivre le chemin de Dieu. Il nous invite à méditer sur l'importance de marcher dans la droiture et comment les paroles de Dieu nous guident et nous soutiennent tout au long de cette quête. Dans ce verset, le prophète Michée nous rappelle les bénédictions que les paroles de Dieu apportent à ceux qui mènent une vie juste et intègre. La droiture dont il est question ici fait référence à la conformité aux principes moraux et éthiques de Dieu. Lorsque nous nous efforçons de marcher dans la droiture, nous nous alignons sur la volonté de Dieu et nous nous laissons guider par ses enseignements. Ces paroles divines sont une source de réconfort et de soutien pour ceux qui choisissent de suivre le chemin de la droiture. Elles nourrissent notre foi, fortifient notre âme et nous permettent de persévérer même face aux défis et aux tentations. En nous appuyant sur la sagesse de Dieu, nous trouvons la force de faire le bien et de résister aux tentations du mal. Comment pouvons-nous marcher dans la droiture selon la Bible ? Pour marcher dans la droiture, nous devons d'abord chercher à connaître la volonté de Dieu pour nos vies. Cela implique de passer du temps dans la prière et l'étude de la Bible afin de comprendre ses enseignements et ses commandements. Ensuite, nous devons mettre en pratique ce que nous avons appris, en nous efforçant d'aimer Dieu et notre prochain, en faisant preuve d'humilité, d'honnêteté et de générosité. Enfin, nous devons rester vigilants et résister aux tentations qui cherchent à nous éloigner de la droiture. Comment savoir si les paroles de Dieu nous font du bien ? Les paroles de Dieu nous font du bien lorsque nous voyons des changements positifs dans notre vie et notre relation avec les autres. Cela peut se manifester par une paix intérieure, une meilleure compréhension de nous-mêmes et de nos motivations, ainsi que par un amour accru pour Dieu et les autres. Si nous constatons que notre foi grandit et que nous sommes de plus en plus capables de faire face aux défis de la vie avec sérénité et confiance, cela témoigne de l'impact bénéfique des paroles de Dieu sur notre vie.